La semaine dernière, j'avais un plan audacieux pour une Grande-Bretagne globale. Je reconnais que la Chambre a un appétit de découvrir le plan détaillé dans le livre blanc. Je peux confirmer qu'il sera détaillé dans le livre blanc. La première ministre rencontrera Donald Trump cette semaine. Elle sera la première dirigeante étrangère à rencontrer Trump depuis son investiture. Ils discuteront d'un accord commercial clé après le Brexit. Le président américain est l'un des rares à se dire favorable au Brexit, voyant là un parallèle avec sa propre campagne électorale. Il avait déclaré que la Grande-Bretagne est intelligente de quitter l'UE et il pense que l'Union est au bord de l'effondrement. Mais a affirmé qu'elle veut conclure un accord qui va accroître le commerce, la croissance et la prospérité pour son pays. Elle a ajouté que tout accord convenu avec les États-Unis passera les intérêts et les valeurs de la Grande-Bretagne d'abord. Nous voulons un accord américano-britannique qui améliorera le commerce entre les deux pays, apportera la prospérité et la croissance à la Grande-Bretagne, assurera que nous pouvons créer des emplois dans notre pays. Je peux assurer à l'honorable gentleman qu'en faisant cela, les intérêts et les valeurs de la Grande-Bretagne seront placés avant tout.